afternoon. Bon après-midi. This weekend I was here was dedicated to think and speak about the message of God about creativity and the arts. Ce week-end, j'étais ici pour réfléchir et parler à propos du thème de la créativité, du plan de Dieu pour la créativité et les arts. So Friday evening and yesterday, we spoke about what are God's principles for this sector of life. Donc vendredi soir et hier, on a parlé de quels sont les principes de Dieu pour ce domaine de la vie. But today, as a church, the question is, what does it mean for us today? Mais aujourd'hui, en tant qu'Église, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui en tant qu'Église? So I'd like to take you to the letter to the Ephesians, chapter 3, verse 10. Donc j'aimerais vous emmener vers l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, le verset 10. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Now basically, here is explained to us what is God's intention with the church. Ici, ce qui nous explique, c'est quelle est l'intention, quel est le but de Dieu pour l'Église. The purpose of the church is a little bit more as just sitting here on a chair on Sunday. Le but de l'Église, c'est un peu plus que juste être ici assis un dimanche matin sur votre chaise. And it is good to be here together as a church and sitting on a chair. C'est bon d'être ici ensemble en tant qu'Église et d'être assis sur vos chaises. And I saw your church is so full, you must be happy even to have a chair. Et j'ai vu que votre Église est tellement pleine que vous devez même être content d'avoir une chaise sur laquelle vous asseoir. Yeah. So I hope that more churches in Paris will have lack of chairs. J'espère qu'il y aura plus d'églises dans Paris qui ont un manque de chaises. Because there is an important purpose mentioned here. Donc ici, il y a vraiment un but important qui est mentionné. And the sentence that Paul writes here is, it deals with to show the manifold wisdom of God. Et ici, la phrase que Paul utilise, c'est pour révéler la sagesse multiple de Dieu. An other word of manifold means multicolor. Un autre sens qu'on peut donner à multiple, manifold, c'est multicolore. It has many aspects. Ça a plusieurs aspects, de nombreux aspects. It is like a diamond. C'est comme un diamant. And a diamond has many facets, as we call it. Et le diamant a plusieurs facettes. And if I looked at you here from the pulpit, I see many different people. Et si je vous regarde ici depuis le podium, je vois beaucoup de personnes différentes. There are ethnic differences. Il y a des différences dans les âges. There are differences because of education and background. Il y a aussi des différences à cause de vos arrière-plans, votre éducation. And that was the way it was meant to be. Et c'est ainsi que c'était supposé être. In a church, we overcome differences. Dans l'église, on va au-delà des différences. We are one church. On est une église. Even with all the believing people around the world, we are still one church. Même avec tous les autres croyants sur la planète, nous continuons à être une seule église. Why? To show the manifold wisdom of God. Pourquoi? Pour montrer la sagesse multiple de Dieu. Normally, we never put people together who are so different. Normalement, quand on met tant de gens ensemble qui sont différents, you know what will happen? Vous savez ce qui se passe? That will explode. It will not work. Ça explose, ça marche pas. Yeah. Especially when you look to the racial tensions in our world today. En particulier quand on pense aux tensions raciales qu'il y a dans notre monde aujourd'hui. Yeah. Sometimes in our suburbs. Parfois dans nos banlieues. Why it is not working? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Because they miss something what is unifying people. Parce qu'il manque de quelque chose qui est capable d'unifier les gens. And that is the love of God, of course. Et ça c'est l'amour de Dieu, bien sûr. Yeah. I'm always so glad that we can celebrate communion together. Je suis toujours si heureux de ce qu'on puisse avoir la communion ensemble. Because suddenly we focus why we are here. Parce que soudainement on se concentre sur pourquoi nous sommes ici. And that's because of Jesus. Et c'est à cause de Jésus. He was the one as like the hand of God reaching out to us. Il est celui qui représente la main de Dieu qui vient à notre rencontre. Yeah. So the manifold wisdom of God. Donc la sagesse multiple de Dieu. Well, you may have never chosen to sit there together in a row beside each other. Vous avez peut-être jamais choisi d'être assis à côté de la personne avec qui vous vous asseyez aujourd'hui.
Why can you sit there together and not even start fighting? Mais pourquoi est-ce que vous êtes capable d'être assis à côté d'elle sans vous mettre à vous disputer? I think it's amazing. Moi, je pense que c'est un miracle. Because there is something higher among us. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nous ici, quelque chose de plus grand. And that is Jesus. Et ça, c'est Jésus. Even you start to love other people. Même quand vous commencez à aimer d'autres personnes, les personnes you autour may de even vous. Hate normally other people. Normalement, peut-être que c'est des personnes que vous auriez détestées. In our society today, there are so many reasons people can hate other people. Dans notre société aujourd'hui, il y a tant de raisons qui peuvent faire que vous détestez les autres. So much injustice is done, so many tears, so many pain. Il y a tant d'injustices, il y a tant de douleurs, il y a tant de larmes. But as a church of God, we can show the multicolor aspects of church. Mais en tant qu'église de Dieu, on peut montrer les aspects multicolores de l'église. And that is beautiful. Et c'est beau, c'est magnifique. We didn't choose to be here. We came here because of a reason. On n'a pas choisi d'être ici. On n'a pas choisi d'être ensemble. On a choisi d'être ici pour une raison. You are already the proof of this Bible verse. Vous êtes ici la preuve de ce verset biblique. Now thinking about creativity, it made me think about another chapter in the Bible, out of the book of Revelation. Quand je pense au thème de la créativité, ça me fait penser à un autre livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Because I find there the same picture. It is chapter 21, the picture of the New Jerusalem. C'est au chapitre 21, c'est l'image de la Nouvelle Jérusalem. And if you read that chapter, you see a magnificent piece of art. Si vous lisez ce chapitre, vous allez vraiment voir une œuvre d'art magnifique. The city is so beautiful. La ville est tellement belle. Astonishing. Elle nous coupe le souffle. It's a great jewel. C'est un bijou magnifique. And you know what will be very amazing? Et vous savez ce qui sera vraiment super? People from all races, all color, all differences, every background, they all will be there. Des gens de toute race, de tout arrière-plan, de partout seront là ensemble. So what we celebrate and enjoy here as local church, we will celebrate there with millions of people. Ce que nous sommes capables ici de célébrer en tant qu'église locale, on le célébrera là-bas avec des millions de personnes. So it comes to fulfillment. Tout sera accompli là-bas. We have a destiny. Nous avons une destinée. We have a meaning and a purpose. Nous avons un but et nous poursuivons un but dans nos vies. And that is the reason that we better work out our differences today in the here and now. Et c'est pourquoi il nous faut travailler sur nos différences aujourd'hui ici. Because there things will be a shining light. Parce que là-bas les choses seront telles une lumière brillante. And now I start to think in this beautiful city, how will that go? Et donc maintenant, quand je commence à réfléchir à cette ville magnifique, comment est-ce que ça va se passer? We all will be there. On sera tous là-bas. And one day we will sing a song, the song of Moses. Et un jour, on chantera le chant de Moïse. Even when I was young, I thought I will sit on a cloud and playing with a little harp and quand j'étais singing. Jeune, je pensais que je serais là-bas, assis sur un nuage, en train de jouer ma petite harpe. Singing little songs like Jesus saves me, Jesus saves me. Et en train de chanter des petits chants, Jésus me sauve, Jésus me sauve. But that is folklore. That's not what is going to happen. Mais ça, c'est du folklore. C'est pas ce qui va se passer. In that city, we have a destiny. We have work to do. Dans la ville là, vous aurez une destinée. Vous aurez du travail à faire. Because there we move on as part of God's kingdom. Parce que là-bas, on sera vraiment en train de travailler au royaume de Dieu. And now I read a very interesting sentence somewhere. Et j'ai lu une phrase très intéressante quelque part. Just before Ascension Day, Jesus said to his disciples, "I will go to prepare you a mansion." Juste avant que Jésus remonte au ciel, Jésus a dit à ses disciples, "Je vais là-bas pour vous préparer un palace, un endroit où vivre." Are you sure? Are we going to have a mansion? Est-ce que tu es sûr qu'on va avoir ce palace? Well, for sure, we are not going to live there in a shack. Il est sûr qu'on ne sera pas là-bas en train de vivre dans une petite cabane. Everybody will have a mansion. Tout le monde aura un palace. And hopefully, you will make your mansion beautiful. Et j'espère que votre palace y sera fait de manière magnifique. And exciting. Et que ça sera excitant pour vous. Just a little side road. I have visited in my life many homes of nice Christian people. Juste une petite anecdote sur le côté. Dans ma vie, j'ai été dans de nombreuses maisons très belles de chrétiens. And when I got in such a house, I thought, my God, what's happening here? Et dans certaines de ces maisons, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? I thought that house was boring. La maison en question, je pensais qu'elle était tellement ennuyeuse. Two chairs, a table, a couch.
Donc deux chaises, une table, un sofa. And a big television screen. Et une grande télévision, un écran de télévision. Where is life? Où est la vie? I believe our mansion, even here today, should be an interesting place. Je crois que notre maison, même ici aujourd'hui, ça doit être un endroit intéressant. A witness of the presence of God. Ça doit être un témoin de la présence de Dieu. But anyway, we will have a mansion. Mais on va avoir une grande maison là-bas. And there we can start to visit each other's mansions. Et là-bas, on pourra commencer à se visiter les uns les autres. We have a whole eternity. On a toute l'éternité. So, there we can visit everybody at least one time. Donc là-bas, on pourra au moins rendre visite à chacun au moins une fois. Now going back to the meaning of this morning. Donc maintenant, pour revenir à ce dont on est en train de parler ce matin. Because we are so different. Donc nous sommes tellement différents. That means we got different gifts. Ce qui veut aussi dire qu'on a des dons différents. Yeah. In the same letter, Ephesians 4, dans chapter 8, is mentioned, he ascended on high and gave gifts to men. Dans la même lettre, au chapitre 4, au verset 8, il est dit, quand il est monté vers les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. So, it is not said to one particular person, one gift, gifts to all men. Il n'est pas dit à une personne en particulier un don, il est dit des dons à tous. So when you look in the mirror tonight when you go to bed. Donc ce soir quand vous vous regardez dans le miroir avant d'aller au lit. Look yourself into the eyes. Regardez-vous dans les yeux. And what you will see is a gifted person. Et ce que vous verrez c'est une personne avec des dons. It doesn't mean you are a new Rembrandt. Ça veut pas dire que vous êtes Rembrandt. Or a new Julio Iglesias. Ou que vous êtes le nouveau Julio Iglesias. Yeah. Of a Nureyev, the famous dancer. Ou là, une danseuse connue, vous n'êtes pas elle. But you are a gifted person. Mais vous êtes une personne avec des dons. Have you ever thought about yourself like that? Est-ce que vous vous êtes déjà vu comme ça? Whoa! Wow! I got something. J'ai quelque chose. I found out that so many things so low about themselves. J'ai réalisé qu'il y a tant de gens qui ont une estime tellement tellement faible d'eux-mêmes. Okay, that's the exercise for tonight. Donc ça, c'est votre exercice pour ce soir. Now, when you read on. In chapter 4 of Ephesians. Quand vous continuez à lire le chapitre 4 d'Éphésiens, you will find there mentioned in verse 11 that God gave to the church very special gifts even. Vous verrez que au verset 11 du chapitre 4, Dieu a donné à l'église des dons très différents. That's verse 11. Donc c'est au verset 11. Mentioned are apostles, prophets, evangelists. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Pastors, teachers. Les pasteurs, les enseignants. And interesting, the gift of management. Et de manière intéressante, le don du management. Yeah. It means that in the leadership of a church, not everybody is the same and does the same. Ce qui veut dire que dans le leadership de l'Église, tout le monde n'est pas fait de la même manière et tout le monde ne fait pas la même chose. When I look back to the first era of Christianity, quand je regarde au début de l'Église, where the first churches got together, quand les premières églises se sont formées et se sont réunies. Did the people who started to believe, did they know they had those gifts? Est-ce que les personnes qui venaient ensemble, est-ce qu'elles savaient qu'elles avaient ces dons? No, it was as well a matter of discovery and growth. It's a process. Non, pour eux aussi, ça a été un processus de découverte et de croissance. So you never know if you even have a special call of God. Donc, vous ne savez peut-être pas encore si vous avez un appel particulier de Dieu sur votre vie. Because when the church is growing, like your church. Et ensuite, l'église commence à grandir comme votre église. You need more people like this. Et alors que l'église continue à grandir, vous allez avoir besoin de plus de personnes comme ça. Now, there is another Bible book in Corinthians. Dans un autre livre de la Bible, dans Corinthiens. In chapter 12, there you find the spiritual gifts. Au chapitre 12, vous allez trouver les dons spirituels. So you are a Pentecostal church. Donc vous êtes une église pentecôtiste. And hopefully you believe this is true. Et j'espère que vous croyez que c'est vrai. With the baptism of the Holy Spirit, you receive spiritual gifts. Avec le baptême du Saint-Esprit, vous allez recevoir des dons de l'Esprit. Amen. Amen. Okay, again. Okay. In a Pentecostal church, we believe that with the receiving of the Holy Spirit, you get spiritual gifts. Amen. Je vais recommencer. Okay. Dans une église pentecôtiste, on croit qu'en recevant le baptême du Saint-Esprit, on a des dons spirituels. Better. Amen. Yeah. And why is that? Et pourquoi? Because we need the supernatural to overcome all those barriers. Parce qu'on a besoin du surnaturel pour dépasser toutes ces barrières. To be able to function. Pour être en mesure de fonctionner.
To be able to be a blessing. Pour être en mesure d'être une bénédiction. And then you start acting out and using those spiritual gifts, fruits will grow. Et ensuite, vous commencez à marcher dans ces dons spirituels. Et alors que vous faites ça, il va y avoir des fruits spirituels qui vont arriver. For students, I always call 1 Corinthians 12 the toolbox. It's a toolbox. Pour mes étudiants, je parle toujours de ce chapitre de Corinthiens 12 comme une boîte à outils. C'est une boîte à outils. You get the box, vous avez you open la boîte, it up, and there are 9 tools. Vous l'ouvrez et vous voyez qu'il y a plein d'outils. Yeah. Did you ever look into your toolbox? Est-ce que vous avez déjà regardé à votre boîte à outils? I know people in Pentecostal churches who received the blessing of the Holy Spirit. Je connais des gens dans les églises pentecôtistes qui reçoivent la bénédiction du Saint-Esprit. And then I ask them about how it is functioning. Et ensuite je leur demande comment ça fonctionne. Then they tell me now then they prayed for me and I received the Holy Spirit. Et alors ce qu'ils font, c'est ils me disent quelque chose, ils prient pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. And then I ask them, okay, but how it is now in your life working with the gifts of the Spirit? Mais ensuite je leur demande, d'accord, mais maintenant que vous avez les dons de l'Esprit, comment ça fonctionne dans votre vie? They look at me. Ils me regardent. With empty eyes. Avec des yeux vides. And they never have unpacked the box. Ils n'ont It's jamais still closed. Appris à se servir de cette boîte. Elle est encore fermée. Don't let the box be closed. Ne laissez One pas la boîte lesson fermée. Of this morning. Open the box. Start working with it. C'est une you leçon got it. Pour ce matin. Ouvrez la boîte. Apprenez à l'utiliser. Vous l'avez. Because finally we have to see the fruits of the Spirit. Parce qu'on a besoin de voir se réaliser les fruits de l'Esprit. That's Galatians 5, you know the Bible verse. Dans Galates 5, vous connaissez And le verset. And that's a very creative process. Et c'est un processus très créatif. Now here, the spiritual gifts and your natural gifts start working together. Donc les dons spirituels et les dons naturels commencent à fonctionner les uns avec les autres. Because when you were born, parce que quand vous êtes né, just when you are there as a little baby, alors que vous étiez là comme un petit bébé, you are already a little box full of possibilities of gifts. Vous êtes déjà une petite boîte pleine de possibilités de dons. And it takes years to find out who you are and what you have. Ça va vous prendre des années pour découvrir qui vous êtes et ce que vous avez. Still, in my professional life, in the arts, I still discover new things after so many years. That's amazing. Dans ma vie professionnelle, dans les arts, je continue encore toujours à découvrir des nouvelles choses et c'est vraiment super. So we need as well to develop our natural gifts. Donc on a aussi besoin de développer nos dons naturels. Why is that? To glorify ourselves? Pourquoi est-ce que c'est pour nous glorifier nous-mêmes? Of course not. To glorify God. Naturellement que non, c'est pour rendre gloire à Dieu. Yeah. Because God is the giver of gifts. Parce que Dieu est celui qui donne les dons. And our whole life should be dedicated to glorify God. Et notre vie entière devrait être dédiée à lui rendre gloire. Let's move on a little bit deeper on this in the letter from Peter, 1 Peter 2, verse 9 and 10. Alors on va continuer à approfondir ça en allant à l'épître de Pierre, 1 Pierre 2, au verset 9. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant elle vous a été accordée. This is quite something. Ça, c'est quelque chose. When I read that Bible verse for the first time, I thought, "Are you sure?" Quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, "Vous êtes sûr?" Is that about me? Ça parle de moi? It's about me. Ça parle de moi. What an incredible discovery! Wow, ça c'est une découverte vraiment incroyable. We are chosen. On est choisi. That means that God had you on His eyes, searching for you. Ce qui veut dire que Dieu, avec ses yeux, est en train de vous chercher. You are chosen. Vous avez été choisi. That means suddenly your whole life gets such an incredible meaning. Ce qui veut dire que tout d'un coup, votre vie revêt vraiment une signification toute particulière. When you realize you are chosen. Quand vous réalisez que vous avez été choisi. You are chosen. Vous êtes choisi. So tomorrow morning, donc demain matin, you look again in the mirror. Vous recommencez à vous regarder dans le miroir. Second exercise. Et le deuxième exercice. And you are struck by it. I am chosen. Et vous êtes frappé par le fait que vous avez été choisi. Well, you are. Vous avez été choisi vraiment. Why? To be a royal priesthood. Pourquoi? Pour être des prêtres royaux. And to be together a holy nation. Et pour être ensemble une nation sainte. Yeah. Now,
It is true what Pierre told about me. I am really knighted. I'm officially knight. You have to say sir to me. Yeah? Alors, you ce got que it? Pierre a dit, c'est vrai, je suis officiellement un chevalier. Quand vous vous adressez à moi, il faut me dire sire. And when you meet my wife, you have to nick, because she is lady. Et quand vous rencontrez ma femme, il vous faut vous yeah? agenouiller, parce que c'est donc la femme d'un chevalier. So I have been a couple of times in very special meetings at the court with our queen and our king. Donc il m'est arrivé en cette position d'aller à des réunions avec notre roi et notre reine. I mean, that is a real different world. Là vraiment c'est un monde différent. You see them, you get closer, and you feel this is something else. Donc vous le voyez, vous vous approchez et vraiment vous sentez que là il s'agit de quelque chose de différent. That is royal. Ça c'est la royauté. I regret so much you have a president. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé que vous puissiez voir. Yeah. Total different situation. C'est vraiment une situation tout à fait différente. So something of a royal, we should understand what it means. Donc il nous faut comprendre ce que ça veut dire cette notion de royauté. When you know what that is, you will walk different, you will stand different, because you know who you are. Quand vous saurez ce que c'est, vous marcherez différemment, vous vous tiendrez différemment, parce que vous saurez ce que vous êtes. Vous êtes so de la royauté. Welcome to our group of knights, donc, because you are royal. Bienvenue à notre groupe de chevaliers, parce que vous êtes royaux. Are they awake? Yes. Est-ce que vous êtes réveillés? Good. Now, there is nothing to boast about, eh? See me. Il n'y a rien dans But en quoi nous pouvons nous enorgueillir. Regardez-moi. It deals about to be a people of God. Mais ça a à voir avec être le peuple de Dieu. And now this verse is extremely important. Now we get purpose to proclaim God's works. Et ce verset est vraiment très important pour proclamer les œuvres de Dieu. And that's an interesting Bible verse. C'est un verset biblique intéressant. In the Greek is used the word proclamaio. Dans la version grecque, le mot utilisé pour la proclamation. And that means as well to announce, peut to make known, dire annoncer, to introduce, pour introduire, présenter, to tell about, to show, pour montrer, pour parler de. So it is much more as just speaking or a sermon. Donc il s'agit de bien plus que juste parler ou un sermon. It includes preaching, by the way. Ça inclut la prêche. Yeah, so everybody must be happy. It includes preaching. Donc vous pouvez être content, ça inclut la prêche. But if you think about the meaning of the word, suddenly you get an incredible picture. Mais quand vous commencez à réfléchir à la signification de ce mot, votre vision va vraiment s'élargir. Now to proclaim means as well, in the first place, to do something or express something with authority. Proclamer, ça veut donc aussi dire faire quelque chose avec autorité. Well, is there an authority in you? Est-ce que vous avez cette autorité en vous? The authority comes from God. L'autorité vient de Dieu. Why? Because He's chosen you. Pourquoi? Right? Parce qu'il vous a choisi. That gives you a particular authority. Ça vous donne une autorité particulière. Different from all the people around you. Qui est différente de toutes les de celles que les personnes autour de vous peuvent avoir. Now, if you go to the Bible. And you study every many forms of proclamation, you get the following picture. Alors maintenant, si vous regardez dans la Bible les différentes formes de proclamation, voici l'image que vous allez avoir. Let's look to Jesus. On regarde à Jésus. He used storytelling. Lui, il a utilisé les paraboles, raconter des histoires. You are aware of that. There are many stories in the Gospels. Vous savez ça, il y a de nombreuses histoires dans les évangiles. That's a particular art form. It's called storytelling. Ça, c'est une forme d'art particulière. And c'est he proclaimed the kingdom of God through storytelling. Et donc lui, il a proclamé le royaume de Dieu à travers les histoires. If you go back one more 1,000 years, 3,000 years ago, you have King David. Si vous reculez d'encore 1,000 ans, donc il y a 3,000 ans, on trouve le roi David. And when you read the Psalms, et vous lisez les psaumes, he proclaimed the kingdom of God to music and as well through poetry. Il a proclamé le royaume de Dieu à travers la musique et à travers la poésie. His son Solomon, you all are aware of that, built a temple. Salomon, vous le savez tous, il a construit un temple. Now you may think, okay, that was a temple. Vous pouvez peut-être vous dire, oui, d'accord, c'était un temple. But we know from those time from other studies that it must have been an incredible, magnificent building. Mais on sait d'autres écrits et d'autres études de ce temps que ce temple il a vraiment dû être incroyable et magnifique. One of the 10 wonders of the world. C'était une des 10 merveilles du monde. He proclaimed God
through architecture. Lui, il a proclamé Dieu à travers l'architecture. In another era, again, much long before that, we find Moses. Si à nouveau on retourne encore plus en arrière, on va trouver Moïse. A great leader. Lui, c'était un leader vraiment grand. Probably the greatest leader the people of Israel once had. Probablement le plus grand leader que le peuple d'Israël a eu. And if you study law, you will study as well laws of Moses. Et si vous étudiez le droit, vous étudierez les lois de Moïse. You have the laws of Moses, Roman law, Western law. Vous avez la loi mosaïque, vous avez la loi musulmane, vous avez la loi romaine. He proclaimed the presence and meaning of God through law giving and leadership. Lui, il a donc proclamé le royaume de Dieu à travers le leadership et à travers le droit, l'établissement du droit. Another story. Une autre histoire. The people went through the Red Sea. Le peuple a traversé la mer morte. They came to the other side. Ils sont arrivés de l'autre côté. And there, Miriam and all the women exploded in dance. Et là, Miriam et toutes les autres femmes ont vraiment explosé dans une danse. They proclaimed God through dance. Elles ont proclamé Dieu à travers la danse. Yeah. So there are many other examples to proclaim through the fine arts, through architecture. Donc il y a beaucoup d'autres exemples pour comment proclamer. On a les beaux-arts, on a l'architecture. Music, whatever. La musique, quoi que vous vouliez. Now you may say, I'm not an artist. Vous pouvez peut-être vous dire, je ne suis pas un artiste. And that may be true. Et ça peut être très vrai. So, what is in it for me? Alors, qu'est-ce qui vous reste? I believe if you study the New Testament very well, there is as well an ordination in education. Moi, je crois que si vous étudiez le Nouveau Testament, vous allez aussi voir un ordre dans l'éducation. That means to be a good father, ce qui veut a dire good mother. Être un bon père, être une bonne mère. And to be that way, you proclaim God's kingdom. À travers ça, vous allez pouvoir proclamer le royaume de Dieu. Those are the works of God. Ça, c'est les œuvres de Dieu. One of our curses of our modern society is single mothers. L'une des malédictions sur notre société contemporaine, c'est les mères célibataires. Yeah. And if you know what happened with her children, they are growing up for crime. Et quand on regarde à l'éducation et comment leurs enfants vont évoluer, on voit que souvent ils vont se tourner vers le crime. I think here's a challenge for every church. Ça, c'est un défi pour chaque église. Because taking up single mothers and helping them to raise their children, it is a proclamation of the kingdom of God. Parce que accueillir les mères célibataires et les aider dans l'éducation de leurs enfants, c'est là aussi la proclamation du royaume de Dieu. When you really go to the Bible, you will find a lot of Bible verses about being a good steward. Si vous regardez dans la Bible, il va y avoir aussi de nombreux versets par rapport à être un bon administrateur. That means to be a good businessman. Ce qui veut dire être quelqu'un de bien dans le business, dans les affaires. Maybe God has given a call to one of our younger people to study economy and become a banker. Peut-être que Dieu a posé un appel sur l'un de nos jeunes pour étudier l'économie. Vous allez être un banquier. We desperately need Christian bankers today because they are the cause of our crisis. On a vraiment besoin de banquiers chrétiens aujourd'hui parce qu'ils sont la cause de notre crise. So if you really get the message, what the Lord meant with those verses. Donc si vous comprenez vraiment le message de ce que la parole a voulu communiquer à travers ces versets, you are ordained, officially ordained, to proclaim the works of God in every form of life. Vous avez vraiment reçu l'ordre de proclamer le royaume de Dieu dans toutes les formes, les diversités de la vie. There is a little story that Jesus talked about the good seed. Il y a une parabole où Jésus parle de la bonne semence. And there he is saying finally to his people, you are the good seed. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est aux gens à qui il parlait, c'est vous êtes la bonne semence. That's quite something. C'est quelque chose. That means wherever you are. Ça veut dire que où que vous soyez. At school. À l'école. In your house. Dans votre maison. At your work. Au travail. Doesn't matter what. Peu importe où. Just by being there and doing the right things, you proclaim the works of God. Juste en étant là-bas et en faisant les choses de la bonne manière, vous proclamez les œuvres de Dieu. You believe that? Est-ce que vous y croyez? And never think I am too small, too little, too whatever. Ne pensez jamais que vous êtes trop petit. Sometimes it can go to very strange situations. Parfois, on peut faire face à des situations très bizarres. So based on my professional work,
I am as well in the cultural elite of my nation. Avec mon travail, je fais partie de l'élite culturelle de ma nation. And a few years ago, a group of people asked me to deliver a special paper. Il y a quelques années, on m'a demandé de soumettre un papier, un écrit particulier. So that's university level, special lectures, and they needed a paper on cultural politics. Donc c'était au niveau académique, universitaire, ils avaient besoin d'un écrit particulier sur les politiques culturelles. So in such a paper, you will not find the word Jesus. Donc dans le papier, dans l'écrit que j'ai soumis, vous ne trouverez pas le nom de Jésus. But you will get a professional study. Mais vous allez recevoir un écrit professionnel, about the situation, une étude professionnelle where sur la situation. I make a narrow line what I believe is right and what is wrong. Et où j'écris et j'expose ce que je pense être bon et vrai et ce qui est faux. Which I can explain easily, even without mentioning the word of God. Ce que je peux expliquer de manière très simple, sans même mentionner le nom de Dieu. So for this group of specialists, I delivered a paper. Et donc c'est pour ce groupe de spécialistes que j'ai soumis ce papier. I sat down, first row. Après l'avoir donné et donc exposé, je me suis assis au premier rang. And there were two rows behind me, two people whispering. Et deux rangs derrière moi, il y avait deux personnes qui étaient en train de chuchoter. Incredible. Et ils disaient, c'est incroyable. Can you believe he's a Christian? Tu peux croire qu'il est chrétien? And then my thought is, why should Christians be stupid? Et là, ce que je me suis dit, c'est pourquoi est-ce que les chrétiens seraient stupides? We are not stupid. On n'est pas stupides. To us is all the wisdom of the world. Pour nous, ceci, c'est toute la sagesse du monde. And we better then start using it. Et il faut qu'on commence à l'utiliser. Another situation. Une autre situation. Because you don't know what will happen when you start working out this road. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous commencez à marcher sur votre route. Once I called a phone call from nobody else as the prime minister. Une fois, j'ai reçu un appel de nul autre que le premier ministre. And he asked me to write a contribution for a very important speech he had to give for national television. Il m'a demandé d'écrire une contribution pour un discours très important qu'il avait à faire pour la télévision nationale. So listening to the prime minister on TV, I knew exactly, okay, he got that from me, he got that from me, he got that from me. Et donc en écoutant le premier ministre faire son discours à la télé, je pouvais me dire, ah oui, ça c'est il l'a eu de moi, ça il l'a eu de moi, il l'a eu de Now, moi. Those things are of course exceptions. Ça, c'est bien sûr des choses qui sont And des I'm exceptions. Most happy that not every day this is happening. Et je suis très contente de ce que ça ne m'arrive pas tous les jours. Because it would keep me away from my daily work. Parce que ça me garderait de mon travail quotidien. Where I want to develop all the gifts God has given us for the kingdom of God, for His glory. Où il est important de développer tous les dons que Dieu nous a donnés pour son royaume. Yeah. I'd like to close with a verse from 1 Peter, chapter 3. J'aimerais finir avec un verset dans 1 Pierre, chapitre 3. Verses 8 and 9. Versets 8 et 9. Enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Interesting verse. C'est un verset intéressant. Why? Peter starts here, all of you live in harmony. Sorry? The first part is live in harmony. Oh. Pourquoi est-ce que Pierre commence par dire vivez en harmonie? That means that disharmony can happen among Christians. Ça veut dire que parfois on peut manquer d'harmonie parmi les chrétiens. So we have a warning to learn to live in harmony. Donc là, on nous met en garde qu'il faut que nous apprenions à vivre dans l'harmonie. And at the end of verse 9, you see the answer how that works. Et à la fin du verset 9, on a la réponse pour savoir comment ça marche. You are blessed to be a blessing to others. Vous êtes une bénédiction afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. If you know how blessed you are, maybe you should speak to your pastors. Si vous ne savez pas combien vous êtes béni, peut-être qu'il faut que vous adressiez à vos pasteurs. Already to be here and to sit here, you are incredibly blessed. Le simple fait d'être ici et d'être assis ici, vous êtes déjà incroyablement béni. To know Jesus and salvation is an incredible blessing. De connaître Jésus et de connaître le salut, c'est une bénédiction incroyable. Finally, peace with God. Enfin, la paix avec Dieu. What a blessing. C'est une telle bénédiction. Finally, we can have peace with our neighbors. Enfin, vous pouvez être en paix avec vos voisins. We can live a godly life. Vous pouvez vivre une vie divine. And that should be a blessing. Et ça, c'est votre bénédiction.
And based on that, we can live in harmony. Et sur la base de ce, de ça, vous pouvez vivre en harmonie. I wish that you will not come to church anymore to get, but to give. C'est vraiment mon souhait que vous ne veniez plus à l'église pour recevoir, mais pour donner. Be a blessing. Be a blessing. Be a blessing when you go out in the street. Soyez une bénédiction. Soyez une bénédiction et soyez aussi une bénédiction quand vous sortez dans les rues. And there are so many creative ways you can be a blessing. Il y a tellement de manières créatives desquelles vous pouvez être une bénédiction. Do you know your neighbors already? Est-ce que vous connaissez vos voisins? What have you done for them, with them? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? There are so many things you can do to be a blessing. Il y a tant de choses que vous pouvez faire pour être une bénédiction. And that is the way to proclaim the kingdom of God. Et c'est ainsi que vous allez proclamer le royaume de Dieu. Amen. Amen. You have some work to do, my friends. Vous avez du travail à faire, mes amis. Yeah. Here it starts, and we move out till tomorrow. Ça commence ici et on continue demain. Let's pray. On va prier.